Bien, salut à toutes et à tous, c'est Jojo37 Tête HD. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de mon let's play sur comment ça s'appelle déjà, sur Resident Evil 4. Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu le fil depuis ça fait déjà un petit bout de temps que je vous avais pas fait de présent, je vous avais présenté de vidéo là-dessus. Alors oui, on en était dans la maison, je ne sais pas si je vais pouvoir retourner dehors. Je vais regarder un petit truc, mélange d'air. Je ne peux pas l'utiliser, j'ai fait des bits. My god. Bref. Alors, je vais regarder si je peux pas retourner dehors, vite fait. Si, je sais, non, je peux pas retourner dehors. Parce qu'on m'avait dit que j'ai oublié des choses. Et on m'a dit surtout où est-ce qu'ils étaient les deux isotopes. Ça. Des espèces de deux enfumés. Je les aurais déjà fait à leur fête, ok d'accord. Ah, ça, ça va m'être utile. Je crois qu'on va dire avec l'utilité. Parce que j'ai perdu beaucoup de vie, si vous vous rappelez bien. Alors, si même vous pouvez le voir, hein. Voilà. Alors, je vais regarder. Prendre spray de premier secours, n'est-ce pas? Grenade. Examiner. Genre je l'ouvrais, hein. Aucun indice ici, ok. Donc on va essayer de retourner. Je vais pas retirer les clous, péché. Je vais de ressortir par là où je suis entré. On dirait c'est normal. Alors on m'a dit que j'ai loupé des trucs, mais il y a des trucs que je pouvais revenir après. Est-ce que t'as la petite araignée? Et comme je suis méchant, j'aime pas l'araignée. Ouais. Allez courir derrière. Parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose par là aussi. Et IPG. Quand je vous dis, je suis vraiment con. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Une gemme spirituelle, ok. Bon, je reviendrai dans le village plus tard s'il le faut. On va avancer un petit peu dans le... dans cette histoire, parce que j'ai pas envie trop de m'attarder quand même. Je m'en fous des armes et tout ça, je me démerderai avec ce que j'ai. Si tu étais pas, c'est pas grave. Non, je vais aller faire la... ouvrir. Oh, les sous. J'adore les sous. On dit que c'était super important en plus. J'ai regardé aussi un petit peu. Ils m'ont pris vraiment pour des cons. Enfin, le pire, c'est que je l'ai vraiment avancé, mais bon. Je te fais pas dire. Partout ce qu'on m'a dit, enfin Lucas, je viens de sortir d'une conversation avec Lucas, il m'a dit de fouiller bien partout pour trouver des trucs parce que ça pourrait m'être utile dans le... dans mes futurs trucs. Voyons. D'accord, je vais pas examiner ça. Les bruits, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Oui, mais je découche, je suis un bonhomme. Coucou. Hey, ça me fait des chinettes, non? Peut-être. Un peu rough, don't you think? Pas comme les autres. You're not like them? No.
You? Une seule question importante. Okay. I have only one very important question. J'ai des chewing-gums. You got a smoke? Non, mais n'importe Got quoi. gum. La glace. Perfect. Qu'est-ce qu'il y a? The big cheese. What? Oh my god, il est méchant. Il est pas beau, il est claqué, il est caca. N'est-ce pas? Et le jeu, ça devrait marcher, mais bon. Hein. Je l'ai chié de lire ce qu'il disait. Sur le montage, je pouvais pas. Ah d'accord, ok, c'est la fin du chapitre. Ok, d'accord. Sauvegarder, bien sûr que oui, je vais sauvegarder. Alors, ouais, donc j'ai vu que tu es sur le montage. Enfin, je sais pas pourquoi mon Dazzle il prend, mais il coupe des petites parties. Donc, franchement, je vois pas pourquoi. Une, mais bon, c'est pas grave. Vous avez pu aussi remarquer sur la chaîne secondaire de Lucha que j'ai fait une misérable humain. Laissez-nous vous transmettre notre pouvoir. Let us give you je veux pas devenir un zombie. Non, 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 non. Non. Bien, vous êtes fou. Vous pourrez plus résister. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Ok, donc ils m'ont ajouté un truc. Je vais devenir comme eux. On est dans une pièce assez bizarre. Ah ouais, je tenais aussi à vous dire. Ah putain, c'est encore la cinématique, Julien. Hey. Hey, réveille-toi. Hey, wake up. Bon, vous avez tous compris. Aïe. Et on sort d'un trou pour tomber dans un autre. Crawl out of one hole, tu peux nous dire ce qui s'est passé. Another. You want to tell me what's going on here? Americano aussi. Qu'est-ce qu'un type comme ça fait dans notre coin? Si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? No. What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, this might be me. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Non, je vais aller, gars. Nah, just kidding with you, I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. Je dirais que c'est le copain que j'ai défoncé au début. Qui je viens? And who might you be? Miyamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good for nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Do something, cop! After you! Now! Oh là là, mais quelle cinématique de fifou. L'autre il se tire pendant que j'ai semé l'autre con. N'est-ce pas? Et un coup de téléphone, donc bon. Je vous parlais je ne sais pas quand. Ici, désolé de ne pas avoir un signe de vie plus tôt, j'étais légèrement... Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. Un civil était rapide, I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Non, mais do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Trop petit. Ok, donc je suis. Ok, t'es qui là?
ici, étranger. Over here, stranger. T'es passé par où? Prendre des munitions de fusil. Je sais plus ce que c'était. Ah, vite fait faire un petit enregistrement pour l'histoire que la prochaine fois on fera ta bateau si je meurs. Ouvrir. Eh hey, papy, t'es parti où? Qu'est-ce que je pourrais t'intéresser? Got something that might interest you. Excuse-nous. Got a selection of good things on sale, stranger. Très bien. Tu as tiens. What are you buying? De tous les trésors cachés. C'est 3000, j'ai 12000. Alors je peux prendre un fusil à verrou, une mitraillette à 10000, un lance-roquette à 30000, 7000 pour une chute. Je prendrais bien une mitraillette. Vous en pensez quoi, vous? Ah mais oui, c'est vrai, je suis pas en live, c'est vrai, excusez-moi. Enfin, si je suis en live, moi, tout seul. Je vais pas appeler Lucha pour lui demander ce qu'il faudrait que je prenne, quand même, parce que sinon, ce sera un peu con. Ouais, je vais prendre ça, hein. Par contre, niveau... Ou sinon... Optimisé. D'accord. Ah, depuis quand j'ai ça, you buying? Si. Alors, pistolet 9mm ordinaire. Chargement, puissance de feu, cadence de tir, contenance. Augmente le nombre de cartouches de... Pas mal. D'accord, ça je l'ai pas acheté. Visiblement en fait. Puissance de feu, cadence de tir, ok, on peut pas... Contenance. 8 balles. 13 balles. Ça peut être pas mal. Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Not enough cash, stranger. What are you buying? Cadence. Puissance de feu. Je vais plutôt d'abord faire ça. Is that all, stranger? Thank you. What are you selling? Je vais me faire du fric. Ça. Allez, tiens. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. 22. Oui. Is that all, strength? Thank you. What are you buying? Japon. Max. What are you buying? 3. Vitesse de rechargement. C'est déjà bien assez rapide, on dirait. Ok. Au pire, on va améliorer. Cadence de tir de l'arme. Non. Non, vous en pensez quoi, non? Je ne sais pas, Thierry, je ne sais point. Vas-y, au pif, allez. Je me dis stop dans 3 secondes. 1, 2 et 3. Ok, puissance d'effet. Is that all? Je suis content. Thank you. Je me suis ruiné pour sa gueule. Et au moins, j'ai un putain de pompe. Bonjour mesdames et messieurs, voici le village qui est visiblement le plus moche du monde, n'est-ce pas? Alors vous inquiétez pas, j'ai déjà vu une vidéo dessus, enfin, je suis tombé malheureusement dessus en regardant une chaîne parce que j'ai découvert une chaîne. Ta gueule, toi! Essayez un truc. UJP. Je vais vous faire les fesses. Thank you.
tu sors, toi. Ok. Non, rien qui se passe vraiment un petit peu. J'ai bien fait d'acheter ce fusil à bombe, donc. Yo, qu'est-ce qu'il y a, les zombies? Ouais, vous cherchez? Pas. Je vais aller chercher. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, t'es pas mort, toi? Eh, dis-moi que t'es mort, il y en a quelque chose. Oh, quel con! J'ai enfin choisi. Oui, vous continuez, bah oui, je parle. Je peux mettre non. Ouais, donc bon, ce que je disais avant cette putain de cinématique et de revenir là, n'est-ce pas? C'est que je. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une petite heure, on va dire. Alors bon, déjà on va revoir les trucs. J'ai fait à Zelu du mois une petite background, j'y tiens, hein, qui est vraiment pas trop mal. Enfin, pour ma part, what are you selling? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Zut. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Grenade incendiaire, munition, puis. Pistolet, munition, bon, j'en ai pas beaucoup. Regardez. What are you buying? J'ai acheté le fusil. Comme j'ai des munitions dessus. Bon, allez, oui, je suis un fou. Is that all, stranger? Alors. What are you buying? Fais un petit tour, je vais ranger ça. Voilà combien de temps? Putain, déjà 18 minutes. Là, je vais faire une petite. Ok, je suis équipé de ça. Quel con. C'est ça. J'aimerais équiper tout de suite de ça. Et je vais juste améliorer le duel. Welcome! What are you buying? Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all strength? Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? Je sais pas, franchement, j'hésite. J'améliore les djinns pour qu'ils soient encore plus puissants. Les bombes, c'est sûr, je peux pas améliorer sa puissance. Ouais, de toute façon, on est que dans les petits niveaux, juste améliorer. Is that all, stranger? Et voilà. Thank bon, you. Je mettrai un petit lien dans la description. Come back, baby. Et puis je voulais aussi vous dire que bon bah c'est comme vous allez pouvoir le voir sur ma vidéo, enfin ma dernière vidéo au montage, ce sera ma dernière vidéo où il suffit, enfin pas ma dernière vidéo à tout jamais, hein, mais attends, je bouge pas. Aliesta toujours pas mal. Non, mais c'est quoi cette connerie de merde? Moi, je t'appuie.
Ok. Donc je veux soit il me cherche la merde, soit il font exprès, mais c'est pas possible, c'est l'un des deux. Utiliser. Voilà. Ouais, mais ce que j'ai pas beaucoup de peine. Enfin, je reste au petit gagnant. Au pire, j'ai une idée. Attention, premier de lancer de grenade. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as, papy? Eh, papy, t'as perdu ta canne? Motherfucker! Pas d'argent? T'avais du bête. Je vais m'énerver quand même, papy. Eh, papy! Papy, mon genre! Bon, mais quand même. Assez tard, chez moi, n'est-ce pas? Et là, je vois rien. Poteau de merde. Ça va être en deux. Rien fait pourtant. Qu'est-ce que ça raconte? Oh non. Encore un coup qui balance des trucs. Je suis chiant. Oh non, ça va être ça. Oh oui, je suis pas mort, je l'ai eu. J'ai eu. Ah, c'est bonheur, ça m'en donne toute ma vie. Bon, allez, recharge. Ok, ça attaque visiblement de partout. J'ai quand même pas mal de balles de pompe. Moi la paix, 2 minutes, je ramasse tout ce qu'il y a. J'essaie de donner des petits coups dans les mains. Ouais, non. Yo, j'arrive, bande de noob. En tout cas, eux, on peut dire qu'ils rushent, mais il y a du rush de noob. Ça, c'était un campeur, parce qu'il était un enfant, n'est-ce pas? Bon, je trouve beaucoup de Call of Duty. Les zombies ont beaucoup d'esprit de Call of Duty. Même Modern Warfare, ouais, surtout Modern Warfare. Attends, je t'ai mis.
une cartouche dans la gueule. Je ne parle pas que je te tombe le cul à la veste. N'est-ce pas? Oh. Ok, partie droite. Ouais, elle est parfaite. J'ai une partie, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. À jouer la prudence, qui passe. Bon, j'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber, mais c'est complètement con. C'est moi qui vais tomber. Bon, oh, bien. J'en suis fou de la vie. Personne qui veut venir. Genre. À l'assaut. Tomate. Impact. Je crois que je suis en train de faire le tour. Vais-je le contourner avec un hélico? Oh oui, magnifique. Impact, il s'est pas tapé. Ok, là vous êtes plutôt nombreux. Je vais rester au pont, je crois, toute la partie. Parce que j'ai type le sang qui bug. Ok, bande de merde maintenant, hein? C'est vrai, toi? Ouais, t'es plutôt jeune, hein? Regardez-le, lui, je peux même. Ah, d'accord, c'est qu'ils sont deux en plus. Il y a un vieux schnock là. Bon, je vais monter. Oh non! C'est dégueulasse. J'ai sursauté en plus. Vas-y. Eh, papy, tu veux pas me laisser un peu tranquille? Merde, je suis en facile, pas en difficile. Oh, pas déconner non plus. Alors, le vieux schnock là-haut. Faire ses fesses. Un atout que tu chagues. T'as encore envie de te défendre. C'est l'heure. Là tu vas recharger mes armes. D'accord, en plus c'est. Il devrait être mort sur le cou, mais il se met sur la tête. De Dieu. Ah d'accord, celui j'ai trouvé comment on peut viser en l'air avec le joystick. N'est-ce pas? Je voulais faire la rue. Regardez dans les alentours. Tiens, il y avait des barils. Explosion. Faire tomber. Je ne sais pas pourquoi je veux faire tomber ça, mais moi je veux juste descendre gentiment. Installer. Ah oui, d'accord. Moi je suis gentil. Je suis mignon. Il y a une échelle là-haut. On va essayer d'y grimper pour aller choper les munitions. On va voir s'il y a des autres là-haut. Putain, ils ont laissé des trucs. Ah, c'est quoi? Sauter. Ok, d'accord. Je pouvais monter depuis le début. N'est-ce pas? Là, je peux encore grimper, mais en fait, je vais explorer là-bas. Parce que j'avais pas vu. Enfin, j'ai pas encore été chercher. J'ai peur que mon ordinateur s'éteigne pendant la vidéo. Enfin, je vais regarder vite fait. Alors, il y a des casiers. Ouvrir. Alors, plan jaune. Ok. Thank you.
Et des sous. Beaucoup de sous, 1000. C'est radin, il pourrait me mettre un trésor à 10 000. Ah, il y a un pont, là. Il est même pas eu. Ah, mais oui, c'est sur le pont là où je suis mort. Oh. Ah oui, c'est quand j'ai tiré ici. Allez, bon, maintenant j'ai nettoyé la zone. Normalement, il ne devrait plus y avoir personne. Je peux faire un petit saut, là. Pff, RPG. On va vraiment penser à tout, même si c'est sur Wii. Je vous avoue que sur PC, ça serait pas mal non plus. Mais il est comme je sais pas. Mais c'est très performant. Je vais bientôt en acheter un. J'ai l'intention de m'en acheter. Ça y est, je vais faire une petite musique de merde. Quand on trouve un objet. Je saute. Je vais grimper là-haut. Parce que moi j'adore faire grimper. Je suis un vrai Tarzan. Je peux grimper juste là. Il y a intérêt à avoir quelque chose. Munition de pan. Allez, sortez. Là, si je me rappelle bien, la porte est juste là. Motherfuckers. Attendez, je vais te voir. Oui. Impossible. Ben ouais, ça. Utiliser. Ok, ça va faire de. Oh. D'accord, ok, en plus, je vais monter soi-même. Ouvrir. Donc, oui, donc ce que je voulais vous dire, ouais, c'est que je vais plutôt changer aussi d'intro, n'est-ce pas? Parce que mon intro. Elle est bien mignonne comme ça, mais j'ai trouvé comment faire enfin des intros sur Sony Vegas Pro 10, n'est-ce pas? Sony Vegas Pro 10, n'importe quoi, comme j'ai craqué, enfin, c'est-à-dire, j'ai craqué le 11, n'est-ce pas? Et puis, mieux. Casse-toi! Ah ouais, non mais casse-toi! Non, sérieux? T'as même pas de bibine! Bon, alors je ne sais pas du tout là où je vais m'aventurer, hein, donc écoutez pas de ma gueule, si j'ai peur. Ma motherfuckers ! J'entends quelque chose derrière. Vincent ? Pour l'instant, il n'y a pas de musique stressante. Qu'est-ce que c'est que ce joli truc qui brille de là ? Et oui, donc j'ai aussi oublié de vous dire, n'est-ce pas, que j'ai beaucoup de choses à vous dire pendant cette vidéo, c'est que je vais sûrement ouvrir une chaîne. Mais merde, j'ai rien fait moi, wesh. Je suis gentil, vous êtes les méchants, vous aimez les mais j'ai tué. Quel bel enchaînement. Crâne chauve. Tiens, dirait mon prof de français, oui. Mon ancien prof de français qui était quand j'étais en quatrième. Je sais pas, il y a une porte là. Donc, je ne sais pas. Je sais même pas dans quoi je suis entré d'ailleurs. Le mec, il pouvait pas faire du tour comme tout le monde. Il fait une petite escalade. Une musique très simple comme ça. Je sais pas si vous l'entendez quand je, enfin, quand je fais une musique. D'accord, ok, faut sortir pas. Je vais sortir plus classement par celle du fond, comme ça si elle est vers les bons. Oh non. Mais je suis à l'abri là. Sortez! Ça croupit. Hein. Bah ouais, d'accord. Et regardez-le, lui. Il essaye de faire genre, je ne l'ai pas vu. Il ne me voit pas, je suis caché. Je te vois, moi, papy.
Ah ouais, t'es vraiment... Je m'énerve avec... Ok, il est pas un petit tir. Je vais juste charger. Hein ? Mais dis pas que j'ai plus que 7 balles. Oh... Oh là là, le bruit que je suis. Ok, alors... Tant pis, ouais, ouais. On dirait de rien avoir. Ouh, ouh, ouh. Attends papy, je me suis blessé dans 30 secondes. En plus, t'as l'air de pas être blessé. Un petit chien. Son truc à la gueule, c'est mon anglais, c'est tout. Ok, plus de musique stressante pour le moment. Ouais, on va casser ça. On va casser ça, j'ai dit. Allez, vas-y, papy. Allez, vas-y. C'est bien, t'es bon, t'es tout. Ok, et quand est-ce que je vais recroiser? D'accord, pourquoi je ne suis pas. Ah, ok, j'ai sauté carrément là. Putain, je suis trop fort. Bon allez, on est retourné là. Oh. Feu d'action. Hello. Ouais, je casse tout ce que je trouve, hein. Franchement. Elle dit qu'il y avait besoin de tout, j'ai loupé des trucs dans le village, dans la partie 1 juste avant. Donc ouais, je prends tous les sous. Hein. Je lâche pas. Ok, plus ça descend. Et quand ça descend, moi j'aime pas. Je sens bien, genre le mec. Juste à côté de moi quand je vais passer. D'accord, non, en fait il dit à ses copains où je suis. Il va enculer de problème. Je sais pas combien de balles il a. Quelque chose en bas. Est-ce que je descends? J'ai peur, mais je descends quand même. Allez. D'accord, c'est juste des poissons. Donc ça, il m'attaque pas. Ouais, grenade aveuglante. Mais où je vous dis qu'on est vraiment. Demande de Call of Duty. Ok. Et je suis sûr je vais avoir un truc juste en haut qui va me refermer la gueule, non? Non, même pas. Tant mieux. J'aime bien, ouais, genre... Enfin, ça fait genre un peu la cave du tigre à la nade avec le grand grenade. Bientôt, ils vont nous sortir des grenades, par exemple, aussi. N'est-ce pas? Un corbeau. Yeah, c'est parti, casse-la. Parfait. Ah, bah j'ai beaucoup de belles. 30 balles, c'est bueno. Ah ouais, ça y est, j'ai trouvé un petit raccourci. Oh, je suis trop fort, putain, les gars. Je prends mon compte quand même, parce que comme ça, j'ai... Et regardez ça, PGM. Oh, j'ai esquivé 4 pièges en même temps. 4 pièges, en vrai. Je vais vous montrer, je vais vous les compter. 1, 2, 3 et 4. Oui, quel bugus. Je pourrais pas genre avoir un cheval. Ah non, tu me dis si ça se trouve, ils vont être zombies. Une grosse boule de cristal. On dirait qu'elle n'est pas tombée. Gauche à droite en bas vers le bas. Encore une énigme à la con, je le sens bien. Descendre.
Ok. Il y a bien que je suis chez Bleu. T'as pas une petite info, un truc comme ça là. Pas gentil. En haut. Ensuite en bas. Mais non, si je suis en haut. Tourne à gauche. Ah! Mon dieu, mais quel PGM. Ça se trouve, j'ai tombé carrément dans la chambre du gros méchant. Alors. Je pourrais pas avoir silence de mort, sérieux. Je peux pas refermer les trucs? Attendez, faire genre. Je suis pas venu, non? C'est pas moi. Attendez. Prendre. Ah, notre chef. J'ai ordonné l'ordre de Sadler. J'ai empoisonné. J'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. J'ai l'intention. Des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux fallu séparer. Séparer les séances comme ça. Ouais, ça vous pouvez lire, je vous laisse quelques secondes. Ok, merci, c'était gentil. Heureusement que je regarde, dis donc. Heureusement que je suis repassé dessus. Mais on peut pas genre faire dodo? Non, c'est trop beau. Hay un rumor, hay un extraño entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. J'ai peur. Ouah! Allez, dis-moi que tu vas devenir mon copain. Non, je peux pas devenir mon copain. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood. Wouhou! J'ai terminé! C'est trop fort! Bon, et eh bien écoutez, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Hein. Non? Je pensais pas. Ou au pire, ouais, mais non, parce que si j'arrive pas à trouver une sauvegarde, je me sentirai un peu con. Ok, un appel. Déjà, on va le lire. Ensuite, on va se cliquer là-dessus. Leon, j'ai des nouvelles informations qui pourront peut-être vous aider. J'écoute. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Soit impliqué. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Tant que pire. Ouais, je crois qu'on va arrêter la vidéo là, parce que bon, il reste 5 minutes. Je pense pas qu'en 5 petites ridicules minutes j'arrive à faire quelque chose. À moins que. Attendez, je vais regarder. Si, 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 j'ai le moyen de faire quelque chose, d'aller moi jusqu'en bas. On va aller jusqu'en bas, n'est-ce pas? On va examiner. On dirait que les occupants de cette maison mangent comme des êtres normaux. Ouais, mais il y a une bouteille de vin là. J'aimerais bien la prendre. Non? Désolé pour le bric-à-brac.
Mais ça veut dire que l'autre là qui me parle, ça se trouve c'est mon daron. Ça se trouve, hein. Ils disent même des livres. Ok. Ça c'est cool. Je peux donc sortir par là. Un œuf. Des barres. Œuf de poule brun. Mais je veux la bouteille de vin. Plus intéressant, wesh. Alors, je peux sortir là-bas. Je ne peux pas sortir ici. Ok. Donc ça, c'est enregistré. Donc, voilà. Donc, cette fois-ci, je vais en profiter pour faire bien comme il faut la fin, n'est-ce pas? Alors, écraser les nez, oui. Alors, voilà. C'est Jojo37, t'inquiète. Ah, je vais tout vous servir de ce petit let's play de l'épisode numéro 3, si ma mémoire est bonne. Et nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo sûrement qui sera sur ce let's play, parce que je ne pense ne pas encore avoir mon HDP, n'importe quoi, mon abonnement Xbox Live avant assez longtemps, on va dire, où je vous ferai sûrement quelques parties enregistrées. Je vous les recommanderai en live si je vais dans mon salon pour avoir la connexion, et peut-être que je demanderai à l'un de mes amis qui me prête 2 jours Xbox Live gratuit pour que je sois content. Putain, sa gueule, elle est vraiment partout. Pour pouvoir jouer en ligne pendant 2 jours, vous faire quelques idées de gameplay. En plus, j'en avais quelques bonnes. Attendez, je vais rouvrir vite fait. D'accord. Donc là, je vais sûrement me faire tuer. Heureusement que j'ai sauvegardé. Enfin, j'avais l'intention de faire ça, mais n'hésitez pas. C'est ce que je préfère. Ok, bah j'ai bien fait de sauvegarder en fait. Une copine! Bon. Non, une copine! Viens me voir. Ok. Donc en fait, j'ai bien fait de l'éliminer. Une ferme bouche appelée. Ça me rappelle quelque chose. En fait, j'aurais pas dû faire le pouilleux comme ça. Bon, en fait, j'ai vraiment bien fait. De retourner là. Attendez, je vais examiner. Représentative des définitions. J'espère que Ashley va bien. Je peux pas genre examiner sa tête à lui. Si je devais faire une description détaillée. Bon, cette fois-ci, c'est sérieusement terminé, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter... Enfin, oui, de commenter la vidéo. Pour me dire si j'ai loupé des trucs, ou j'ai fait des trucs de mal, ou des trucs qu'il fallait. Si j'ai oublié des choses ou pas. Aimez la vidéo. Commentez-la, j'ai déjà fait. Ajoutez-la à favori pour la faire tourner un maximum de monde, pour que ma vidéo soit le plus vue possible. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine fois, sûrement à la semaine prochaine, pour la suite du Let's Play. Si vous ne suivez que le Let's Play, vous ne regardez pas les autres vidéos que je fais. Salut tout le monde, à la prochaine, c'était Jojo37, t'inquiète, pour vous servir. Tchuss !